Avant que la vidéo commence, on remercie Huawei.com qui me sponsorise. Vous trouverez en description un petit lien vers leur site si vous voulez acheter des items Rocket League. N'oubliez pas de mettre le code SNIPE. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Snape. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Rocket League, une nouvelle vidéo un petit peu défi. On m'a demandé en masse la dernière fois de jouer avec l'écran à l'envers. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si le concept vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos de ce style. N'hésitez pas à me proposer d'autres défis de ce style dans les commentaires. Je sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête, ce que vous aimeriez bien que je fasse en vidéo. Et on va tout de suite se retourner l'écran. Attention. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est absolument affreux les gens. C'est absolument affreux. Comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment envie de vomir. Mais par contre, c'est vraiment étrange. Genre, j'ai vraiment pas l'impression de jouer Rocket League. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu. Genre, c'est vraiment bizarre. La notion d'espace et tout, enfin c'est... Wow, c'est bizarre. Là où c'est bizarre aussi sur les flips parce que tout est inversé. Donc là, ah, c'est trop dur. Et du coup j'imagine que si je vais sur le ceiling, je vais être à l'endroit quoi. Enfin, ne bougez pas. Regardez, je suis à l'endroit là. Youpi. Ça dure pas longtemps quoi. Ok, alors pour cette vidéo on va pas aller en grand champion parce que vous savez très bien que autant dans les deux dernières vidéos où j'étais invisible ou que j'avais le jeu en noir et blanc, ça va d'aller en grand champion. Là par contre, je vais me faire clairement péter le cul, je vais faire perdre des points à mes mates, ça c'est sûr et certain que je gagnerai pas. Donc je vais jouer en 1v1 contre un pote à moi qui est gold. Donc ça devrait être un minimum équilibré, ça se trouve je vais me faire péter le cul, ça se trouve je vais gagner, je sais pas. On va voir à quoi ça ressemble en fait simplement. On va créer un match privé de suite, on va voir ce que ça donne. Donc un grand champion à l'envers contre un gold à l'endroit. On va voir ce que ça peut donner. Alors match privé c'est où? Parce que là c'est à l'envers là, c'est là. Créer. Pas d'imitateur, crée un match. Et c'est parti. Allez, on est parti, on voit un auto. Je sais pas ce que ça va donner vraiment. C'est vraiment trop bizarre, hein. Je promets. Pour le faire, c'est simple, vous allez dans vos paramètres d'affichage Windows, pardon. Et normalement, dans orientation, vous mettez paysage renversé. Donc là, vous serez à l'envers. On va voir ce que ça va donner. Alors là, déjà, c'est vraiment galère. La notion de la gravité, c'est là qu'on voit que la gravité, elle est vraiment étrange, quoi. Enfin... On est vraiment habitué à la gravité telle qu'on la connaît et du coup dès que ça change un peu quoi. Putain j'arrive pas à me placer bordel. C'est trop dur les gens. Oh je t'ai contré? Yes. Ok oh, c'est chaud. Est-ce qu'on peut faire un half flip? On peut faire un half flip. J'ai raté le boost. Oh yes. Ça on fait des bons petits moves là. Ça... Non 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 non. Oh je suis une merde. Ça on fait des bons petits moves là. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas fait exprès. Je ne vois absolument rien. C'est très chiant. C'est vrai qu'on voit qu'on s'est vraiment habitué les gars. Après 4000 heures à s'habituer comme ça, je vous promets que c'est trop dur. C'est que les touches sont inversées et ça c'est impossible surtout. Je pense que c'est le pire de tout en fait. C'est que les touches sont totalement inversées. Ah dommage, 2-0. Ah, c'est le pire en fait, c'est que autant je fais l'envers mais même les touches elles sont inversées quoi. Donc c'est ça qui je crois c'est limite le plus frustrant quoi, c'est ça. Oh yes, pas mal ça. Elle est dedans? Il va l'arrêter je pense. Dites-moi qu'elle est dedans. Oh non, oh il a arrêté. Aïe. Oh les dashs. Quand je crois en fait qu'on fait un dash vers la gauche, ça fait un dash vers la droite, du coup, youpi quoi. Oh, oh! Je sais pas comment j'ai save ça. Ok. On va essayer de s'appliquer... Oh là. Oh, il a mis. On va essayer de s'appliquer... Au moins que je marque un but. Oh, let's go, c'est mon opportunité. Non, tant pis, pas cette fois. Oh, même là, c'est trop dur. Le problème, c'est tellement pas dans la logique. Oh yes. C'est tellement pas dans notre logique en fait, du cerveau que. Oh, but. Ah, je me fais massacrer les gars là pour un coup. Je me fais absolument massacrer quoi, c'est... Oh, je me fais péter le cul, hein. Je peux rien faire du tout, là. En fait, le problème, c'est que je vois même à distance, je vois pas si c'est de là ou pas.
Oh, let's go. Oui. Yes. Putain, enfin, on a marqué un but. Il reste 14 secondes, mais c'est bon. Mais GG. Putain, j'aurais pris combien? 5-1. C'était chaud. Putain, c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. Ah, c'est vraiment le je crois que c'est le pire défi qu'on m'ait jamais demandé de faire. On va faire une petite. Ah, non, on fait la revanche. Allez, on fait la revanche. On va essayer de voir si on peut s'habituer un petit peu ou pas. Ou vraiment en deux games, si c'est pas possible, on va voir. Ah, mais j'étais déjà en orange tout à l'heure. Ok, nice. Nickel. Oh, yes. Oh, let's go. C'est l'ouverture du score. Yes. Oh là là, yes. Alors, j'ai mis une petite frappe. Je crois que j'ai même pas fait exprès. Alors, je sais pas si j'étais dans le bon sens. Let's go. Putain, c'est vraiment bizarre. Pourtant, quand je tourne ma tête, ça fait vraiment facile, tu vois, mais dans ce sens-là, c'est trop trop bien. Alors, le kick-off, par contre, n'est pas mis bien. Oh oui! Oh oui, le passement de jambe! Let's go! Let's go! Putain, ça fait plaisir. Hop là! Yes! Ok, 2-0. Ça fait plaisir là. J'ai fait un petit dribble là, je suis tellement fier de moi. Ah bah là c'est but. Aucune pitié sur un kick-off goal. Dommage. Allez. C'est pas possible, je vais pas prendre deux buts comme ça d'affilée. Mais c'est pas possible. Je marque deux buts de base. Putain, je gère deux buts, je prends deux buts de merde comme ça quoi sur kick-off. Oh là là, c'est pas possible. Oh non. Ah, oh, c'est dedans. Elle est dedans? Ah, oh, je suis même pas foutu de cadrer un frigole sans déconner. Non, ah mais. Le problème, c'est que les murs en fait, ça inverse. C'est. J'arrive... Dès que je suis sur un mur, je me perds en fait. Oh non! Oh, bon, oui, il est sympa. Je crois qu'il a fait exprès là. Je sais pas si t'as fait exprès ou pas, mais. C'est trop trop dur, je jure. Essayez chez vous, essayez, essayez. Non. Non, je sais pas comment il y a. Ah, GG. Oh, je peux pas l'arrêter. C'est impossible. La balle, elle est. Les murs et tout, tout est trop inversé, genre. Parce que quand c'est à l'endroit, en fait, c'est déjà inversé de base sur le mur. Donc, inverser quelque chose qui est déjà inversé, c'est. Là, ton cerveau il pète, tu vois. Là, je peux pas. Là, je vois rien, là. Oh là là, je vais rien faire. C'est impossible. Autant jouer aux échecs, hein. Vraiment, mon cerveau il réfléchit beaucoup moins qu'aux échecs que là. Hein. Let's go, je sais pas ce qu'il a fait. Putain, yes, c'est parce que j'ai foutu. Attends, je vais voir le replay. What, c'est pas compris. Ouais, 5-3, c'est un peu plus serré déjà. Non, non, non. Oh, mais putain, mais même dans l'engagement, je vais pas tout. Non. Oh non. Please. Oh, c'est le but. Je peux rien faire. Ah, c'est vraiment trop bien. Je pense que c'est le défi le plus dur qu'on m'a demandé de faire là. Franchement, c'est pas faisable. Voilà, vous avez la réponse. Jouer en noir et blanc, c'est faisable. Jouer avec la voiture invisible, c'est faisable. Jouer avec l'écran à l'envers, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, notre cerveau est trop habitué à l'avoir, à la gravité, etc. Là, donc c'est impossible. Là, je vois rien de rien. Là, je sais pas du tout où je suis là. Oh, je peux pas faire rien, je peux rien faire. C'est vraiment insupportable. Pour le coup, je vais pas vous mentir, c'est pas trop fun. Hein. Genre, oh yes, let's go. Putain, j'ai peur que je la mette au dessus, enfin du coup en dessous pour moi. Ok, on va prendre ce boost. Ah bah, il m'a pété un petit peu. Mais non, je suis à côté. C'est, ah c'est psychologiquement, t'as envie de te taper. Alors c'est horrible. Putain, regarde, je passe à côté de la balle quoi. Oh. Ah, en même temps, tu m'étonnes, 4000 heures, mais 4000 putains d'heures à jouer à l'endroit, tu me mets à l'envers là, tu m'étonnes que je suis perdu. Oh yes, il s'est raté. Let's go, 9 à 5 quand même, hein. Putain, je me fais quand même sacrément dérouiller là. Yes, parce que j'ai non, pas non, j'ai pas la notion de la
De la hauteur non plus, hein. Je sais pas à quelle hauteur est la balle en fait. Si j'ai accès ou pas. Oh la balle. La balle c'est trop bizarre là. La balle c'est beaucoup trop bizarre. Oh, est-ce que je peux marquer là? Oh non, je peux marquer. Ouais, je me suis pété. 10-5, je pense que ça va finir sur ce score. Eh ben dis donc, c'est pas faisable. Hein. Je peux vous mentir que là pour le coup, c'est une expérience à faire, mais une fois, hein, par contre, vraiment. Oh dommage, je peux pas. Ok, bon bah GG, c'était beaucoup trop dur. C'est vraiment impossible. Essayez chez vous, vous allez voir que c'est impossible à faire. Tout est retourné, déjà c'est retourné, tu sais pas la hauteur, tu sais rien. Tes touches sont inversées, la gravité est inversée, enfin c'est... Niveau pour les yeux, ça nique le cerveau, hein. Vraiment ça nique le cerveau. Peut-être à regarder, c'est peut-être plus fun, mais à faire vraiment, ça pète le cerveau. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres défis, peut-être un peu plus faisables quand même. Hein, quelque chose d'un peu plus abordable, on va dire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!